Tu as mal au dos parce que tu es debout depuis 6, 10 ou 14 heures d'affilée. Tu pues les fruits de mer et l'épice à steak. Tu cours dans tous les sens toute la nuit. Tu as chaud. Tes vêtements sont collants de sueur. Toutes sortes d'étranges pensées te passent par la tête. C'est la période des élections. Une serveuse sert trois tables différentes en même temps. Les clients à chaque table portent des badges de soutien à trois partis politiques différents. À chaque table, elle fait l'éloge du programme et du candidat du parti politique concerné. À chaque table, les clients sont contents et lui laissent un bon pourboire. La serveuse, elle, ne votera probablement pas. Un soir, le plongeur ne se pointe pas. La vaisselle commence à s'empiler. Un des cuisiniers essaie de lancer le lave-vaisselle et se rend compte qu'il ne fonctionne pas. La manette est cassée et les fils sont coupés. Personne n'entendra plus jamais parler de ce plongeur. Y'en a marre! Ça sera le dernier client chiant! Le dernier trou du cul de gérant, la dernière engueulade avec un collègue. Le dernier plat puant de moule. La dernière fois que tu te brûles et que tu te coupes parce que tu es dans le speed. La dernière fois que tu te promets que tu donnes ta démission demain et que tu te retrouves à promettre la même chose 2 semaines plus tard. Un restaurant est un endroit misérable. Même les restaurants qui font des pubs branchées dans le journal, qui servent uniquement de la nourriture biologique, sans gras ou végétalienne, qui proposent une ambiance cool avec des beaux dessins sur les murs, tous ces restaurants ont des cuisiniers, des serveuses et des plongeurs qui croulent sous le stress, la déprime et l'ennui et qui ont envie d'autre chose. C'est difficile aujourd'hui d'imaginer un monde sans restaurants. Les conditions qui créent les restaurants sont partout et semblent presque naturelles. Aux États-Unis, on peut même avoir de la difficulté à imaginer les gens se nourrir d'une autre manière. Mais les restaurants, comme la démocratie parlementaire, l'État, le nationalisme ou la police professionnelle, sont une invention du monde capitaliste. Les premiers restaurants sont apparus à Paris dans les années 1760. En fait, jusqu'au tour de 1850, c'était à peu près la seule ville où on pouvait en trouver. Au départ, ils ne vendaient que des petits ragoûts appelés restaurants, qui étaient utilisés pour soigner les personnes malades. Avant ça, personne ne sortait pour manger comme on le fait aujourd'hui. Les aristocrates avaient des serviteurs qui cuisinaient pour eux. Le reste de la population, principalement composée de paysans et de paysannes, mangeait à la maison. Il y avait des auberges pour les voyageurs où les repas étaient compris dans le prix de la chambre et où l'aubergiste s'asseyait et mangeait avec ses hôtes. Il y avait des traiteurs qui préparaient des repas pour les mariages, les funérailles et les autres occasions spéciales. Il y avait des tavernes, des comptoirs à vin, des cafés et des boulangeries où l'on pouvait consommer boissons et aliments bien spécifiques. Mais il n'y avait pas de restaurant. C'est en partie parce que les restaurants auraient été illégaux. La nourriture était préparée par des maîtres organisés en corporations hautement spécialisées. Des charcutiers pour la saucisse et le porc, des rôtissiers pour la viande rôtie et la volaille, des fabricants de pâtés, de pain, d'épices, de vinaigre. Selon la loi, seul un maître pâtissier pouvait légalement fabriquer des pâtisseries. C'était interdit pour tous les autres. Au mieux, une famille ou un groupe particulier pouvait obtenir la permission du roi pour produire et vendre différentes sortes de nourriture. Mais ces lois reflétaient un ancien mode de vie. Les villes grandissaient, les marchés et le commerce grossissaient, et avec eux, le pouvoir et l'importance des marchands et des hommes d'affaires. Les premiers restaurants visaient cette clientèle de classe moyenne. Avec la Révolution française de 1789, la monarchie fut renversée et le roi décapité.
les corporations furent détruites et la libre entreprise put se développer. L'ancien cuisinier de l'aristocrate alla travailler pour l'homme d'affaires ou lança sa propre affaire. La gastronomie fut démocratisée et n'importe qui, avec assez d'argent, pouvait manger comme un roi. Le nombre de restaurants augmenta rapidement. La croissance de la restauration était liée à la croissance du marché. Les besoins qui étaient autrefois comblés par une relation directe de domination entre le seigneur et ses serviteurs, ou une relation privée au sein de la famille, étaient maintenant assouvis par le marché. Ce qui était autrefois une relation d'oppression directe était devenu une relation entre acheteur et vendeur. Une expansion similaire du marché a aussi eu lieu un siècle plus tard avec le développement des fast-foods. Quand les femmes ont quitté la maison pour le marché du travail dans les années 1950, plusieurs des tâches qui leur étaient auparavant dévolues ont été transférées vers le marché. Les fast-foods se sont développés rapidement et on s'est mis à recevoir un salaire pour ce qui était autrefois considéré comme une tâche domestique. Le 19e siècle a porté la révolution industrielle. Les machines révolutionnèrent la façon dont tout était fabriqué. Alors que les méthodes de production agricole devenaient plus efficaces, les paysans ont été sortis des campagnes et ont rejoint les anciens artisans dans les villes pour former la classe ouvrière. Ils n'avaient pas d'autre choix pour gagner de l'argent que de travailler pour quelqu'un d'autre. À un moment, durant le 19e siècle, le restaurant moderne s'est cristallisé dans la forme qu'on lui connaît aujourd'hui et s'est répandu partout à travers le monde. Cela demandait plusieurs choses, des hommes d'affaires avec du capital à investir dans les restaurants, des clients qui cherchaient à satisfaire leurs besoins alimentaires sur le marché, et des travailleurs qui n'avaient pas d'autre option pour vivre que de travailler pour quelqu'un d'autre. Et puisque ces conditions étaient en train de se développer, il en fut de même pour les restaurants. Le propriétaire du restaurant est le vendeur. Il est en charge du processus de production et ce qu'il a à vendre formate la demande du consommateur. Le propriétaire n'est pas en affaire par désir de nourrir les gens. Il est là pour faire de l'argent. Peut-être que le propriétaire était un chef ou une serveuse qui a gravi les échelons. Peut-être qu'il est né dans l'argent et n'a aucune expérience en restauration. Dans tous les cas, quand il démarre sa propre affaire, le propriétaire de restaurant veut une chose, faire de l'argent. Il achète des fours, des réfrigérateurs, des casseroles, des verres, des serviettes, des couteaux, des planches à découper, de l'argenterie, des tables, des chaises, de l'alcool, de l'équipement de nettoyage, de la nourriture crue, des conserves, des huiles, des épices et tout ce qui est nécessaire pour faire fonctionner un restaurant moderne. La valeur de ces choses est déterminée par le temps de travail nécessaire à leur fabrication. Quand on les utilise, leur valeur est intégrée dans la valeur du repas. La valeur d'une assiette de saumon, par exemple, est d'abord déterminée par la valeur du saumon frais utilisé pour la produire. Cette valeur est la quantité de travail nécessaire pour attraper ou élever un saumon et le transporter jusqu'au restaurant. Aussi, il faut ajouter au prix de l'assiette la valeur de la quantité moyenne d'origan séché, de sel, de citron et d'huile nécessaires à sa production. Il en est de même pour la valeur du gaz et de l'électricité nécessaires à la cuisson et à la climatisation du restaurant. Un petit montant s'est ajouté à la valeur du repas pour l'usage et l'usure de l'équipement, pour le remplacement des plats, des verres, des ampoules, des stylos et du papier, ainsi que pour entretenir le bâtiment. Tout ça représente une valeur constante pour le propriétaire du restaurant. Cela ne produit pas d'argent pour le restaurant. Quand les épices et les aliments sont utilisés, ils ajoutent au repas juste assez de valeur pour renouveler les stocks. Le coût de ces articles peut bouger au-dessus ou au-dessous de leur valeur, mais ce mouvement tend à s'annuler de lui-même. Le patron peut être chanceux et obtenir un bon prix pour quelques bouteilles de vin et réussir à en tirer plus de profit.
mais il peut aussi être malchanceux et voir la nourriture pourrir avant d'être vendue, ou devoir racheter toute la vaisselle parce que l'armoire est tombée par terre. Bref, le simple fait d'acheter et de vendre n'est pas une source stable de profit. Mais les restaurants font bel et bien du profit. À part le matériel de base, la nourriture, les outils et les machines nécessaires pour un restaurant, le propriétaire a besoin de quelqu'un pour mettre tous ces éléments en marche. Il a besoin d'employés. Pour le propriétaire, les employés sont simplement une autre part de son investissement. Il achète notre aptitude à travailler. Et pour une période de temps déterminée, nous lui appartenons. La valeur d'un employé correspond au salaire qu'il touche, le montant d'argent qu'il nous faut pour payer la nourriture, les vêtements, le loyer, l'alcool, le transport, et tout ce dont nous avons besoin pour revenir travailler jour après jour. Ce montant est plus ou moins élevé selon que l'on attend de nous que nous portions de beaux vêtements et puissions discuter de vin et de l'histoire française avec le client, ou si nous sommes seulement supposés nous pointer le matin et ne pas cracher dans la nourriture. Cela varie aussi selon le coût de la nourriture et des loyers dans une ville donnée ou selon le pays dans lequel se situe le restaurant. Les salaires reflètent aussi le point d'équilibre du rapport de force entre les employés et leurs employeurs. Quand nous sommes forts, nous pouvons imposer des augmentations de salaire. Quand nous sommes faibles, notre salaire peut être rabaissé au niveau de ce qui nous est nécessaire pour la simple survie. Les salariés coûtent cher, mais ce n'est pas pour rien. Contrairement à une grappe de tomates, un cuisinier fait gagner de l'argent au propriétaire du restaurant. Une grappe de tomates entre au restaurant avec une valeur basée sur le temps de travail nécessaire à sa production. Cette grappe est utilisée et transfère sa valeur à celle de la soupe à laquelle elle sert. Le cuisinier, lui, n'est pas consommé. Une grande partie de la valeur de la soupe vient du travail que le cuisinier a effectué. Les employés ne sont pas payés sur la base de la quantité de travail qu'ils produisent. Notre force de travail est achetée pour une certaine période de temps et on est censé travailler pour le patron durant ce temps. Notre travail ajoute de la valeur au repas et crée les conditions dans lesquelles cette valeur peut être transformée en argent. En fait, la valeur que nous ajoutons aux repas qui sont vendus durant notre temps de travail est largement supérieure à notre salaire. Ce surplus de valeur, que l'on nomme plus-value ou survaleur, est le moyen par lequel un restaurant fait de l'argent. À travers les loyers, les licences d'alcool et autres taxes et les amendes, les propriétaires du bâtiment et les différentes institutions gouvernantes prennent aussi une partie de cette plus-value. L'entrepreneur commence avec de l'argent. Il achète des biens, nourriture, épices, machines et outils et aussi la force de travail des employés. Ces derniers sont ensuite mis en mouvement dans le processus de production, qui crée une marchandise, le repas, vendu immédiatement au client. Le client paie plus que l'investissement d'origine. Cet argent-là est alors réinvesti et le circuit recommence depuis le début. C'est en réinvestissant son capital à travers le processus de production que le propriétaire le fait augmenter. Ce mouvement du capital est la raison d'être des restaurants. Il donne aux restaurants leur forme et propriété particulière. Ce qui compte n'est pas qu'un restaurant produise de la nourriture, mais qu'il produise de la plus-value et du profit. Le restaurant est un processus de production qui génère de l'argent pour le patron, qui, lui, en veut le plus possible. Souvent, la sécurité, la propriété et même les considérations légales sont mises de côté pour faire plus de profit. Le restaurant représente quelque chose de très différent pour les travailleurs et travailleuses. Nous ne préparons pas à manger parce que nous aimons préparer à manger, ou parce que nous voulons le faire pour tel ou tel client. Quand nous nettoyons le sol ou ouvrons des bouteilles de vin, nous ne sommes pas en train de satisfaire un besoin, de donner un sens à notre vie. Nous sommes simplement en train d'échanger notre temps pour un salaire. C'est ce que les restaurants représentent pour nous. Notre temps
et notre activité dans les restaurants ne sont les nôtres. Ils appartiennent à l'entreprise. Même si tout dans le restaurant ne bouge et fonctionne que grâce à nous, le restaurant est quelque chose qui nous est extérieur et hostile. Plus dur nous travaillons, plus le restaurant fait de l'argent. Moins nous sommes payés, plus le restaurant fait de profit. Il est rare que les travailleurs d'un restaurant puissent manger régulièrement dans le restaurant où ils travaillent. Il est fréquent que nous transportions toute la soirée des plats de nourriture exquise, sans avoir rien d'autre dans l'estomac qu'un bout de pain et du café. Un restaurant ne peut pas fonctionner sans travailleurs, mais il y a un conflit permanent entre les travailleurs et leur travail. Le simple fait de tenir tête nous place en situation de combat contre le processus de production. Lorsque nous reprenons notre souffle pendant le rush du dîner, nous ralentissons la production d'un repas. Lorsque nous volons de la nourriture, que nous esquivons ou que nous restons simplement à parler avec les collègues, nous bloquons encore plus le processus de production. Le gérant, qui représente ce processus de production, nous force toujours à aller plus vite. Il nous engueule si nous prenons une pause un instant, ou même si nous prenons simplement le temps de bien faire les choses, ou si nous faisons des erreurs parce que nous sommes fatigués. Nous en venons à détester le travail et à détester le patron. La lutte entre les travailleurs et les gérants fait autant partie du restaurant que la nourriture, le vin, les tables, les chaises et les sachets de sucre. Afin d'être le plus rentable, les restaurants ont tendance à s'organiser de la même manière. Les tâches sont divisées et les travailleurs et travailleuses se spécialisent dans les différents aspects du travail. Ces divisions se sont développées parce qu'elles nous obligent à pondre les repas plus rapidement. Les premières divisions, et les plus évidentes, se situent entre les gérants et les travailleurs, et entre la salle et la cuisine. Plus ces divisions se renforcent, plus elles hiérarchisent ou associent différentes personnes. La répartition de ces tâches varie beaucoup entre les restaurants, tout comme l'âge, le sexe ou la couleur de peau qui leur sont associées. Mais dans la plupart des restaurants, le patron a une idée du genre de personne qu'il veut pour chaque tâche. La division du travail correspond à la division sociale des travailleurs. Le processus de travail est tâché menu. Chaque étape est sous la responsabilité d'un travailleur différent. Ce fonctionnement est très efficace pour faire de l'argent. Nous répétons encore et encore la même tâche spécialisée et devenons bons à ça. En même temps, le travail perd tout le sens qu'il pourrait avoir pour nous. Même celles et ceux qui choisissent de travailler dans un restaurant, plutôt qu'un autre boulot de merde, parce qu'ils s'intéressent à la bouffe ou au vin, perdent rapidement cet intérêt. Le même quart d'heure semble se répéter encore et encore, jour après jour. Le travail devient une seconde nature. Les bons jours, on passe au travers sans trop y penser. Les mauvais jours, on se rend douloureusement compte à quel point c'est ennuyeux et inutile. Les restaurants demandent une très forte intensité de travail. Alors que le processus de production tend à augmenter la division du travail, il pousse aussi à utiliser les machines de plus en plus. Tous les restaurants modernes utilisent des machines, fours, réfrigérateurs, machines à café, etc. Mais il y a définitivement une tendance à les utiliser de plus en plus. Un cuistot peut faire bouillir de l'eau assez rapidement sur les plaques. Mais c'est encore plus rapide d'avoir une machine qui maintient de l'eau presque bouillante en permanence. Une serveuse peut noter les commandes et les emporter à la cuisine, mais la même serveuse peut prendre encore plus de commandes en moins de temps si elle n'a plus qu'à les entrer dans un ordinateur qui transmet le message à la cuisine. Les machines ne sont pas là pour rendre notre travail plus facile. Elles sont là pour augmenter la productivité d'un groupe donné de travailleurs, pour extraire le plus d'argent possible dans un laps de temps donné. Les premiers restaurants à introduire une nouvelle machine dégagent plus de profits, parce qu'elles sont capables de produire plus efficacement que la moyenne du secteur.
Cependant, tout comme les épices et les ingrédients, les machines ne créent pas d'argent pour le propriétaire. Seul le travail salarié le permet. Au bout d'un certain moment, la nouvelle machine est utilisée par tout le monde et il devient simplement inefficace de ne pas les utiliser. Les machines remplacent les humains pour certaines tâches, devenant un nouveau maillon de la chaîne de production. Nous n'avons pas moins de travail à faire, nous avons simplement de plus petites tâches à effectuer et plus fréquemment. Notre travail devient plus spécialisé et plus répétitif. Et nous nous mettons en colère contre les machines quand elles ne font pas leur part du boulot. Notre activité au travail a été réduite à une exécution si mécanique que nous pouvons entrer en conflit avec les machines. Le restaurant lui-même est une petite partie de la division du travail au sein de l'économie. Le restaurant est simplement la dernière étape d'un processus. La viande crue et le poisson, les légumes et les épices, les tables, les chaises, les serviettes de table et la caisse enregistreuse arrivent au restaurant d'autres entreprises, comme produits finis. Ils sont produits par des travailleurs dans des processus de production similaires et sous des conditions de travail similaires. Comme travailleurs de restaurant, nous sommes séparés de ces travailleurs. Nous voyons seulement le représentant du fournisseur de vin lorsqu'il le fait goûter au patron, ou le coursier de la blanchisserie quand il vient chercher les sacs de serviettes sales. En Amérique du Nord, beaucoup d'employés de restaurants touchent des pourboires. Une partie de leur salaire vient directement du patron, alors qu'une autre partie est payée par les clients. Les jobs à pourboire sont souvent les mieux payés du restaurant. Cela crée souvent une confusion entre pourboire et bonne paye. Aux États-Unis, les pourboires sont une structure de paye mise en place par les patrons pour des raisons précises. Les restaurants ne peuvent produire à un rythme constant comme certaines industries, parce que les repas doivent être mangés immédiatement. De fait, on ne peut pas commencer à cuisiner le gros d'un repas avant qu'il y ait un acheteur pour le commander déjà assis dans le restaurant. Cela signifie que les hauts et les bas du commerce affectent les restaurants tout particulièrement. Quand les employés sont payés en pourboire, les salaires deviennent liés aux ventes. Donc, quand les affaires sont bonnes, le patron fait un peu moins de profit par vente qu'il ne le ferait avec des salaires constants, parce qu'il doit nous payer des salaires plus élevés. Quand les affaires sont mauvaises, en revanche, il fait un peu plus de profit par vente parce que nos salaires sont plus bas. Pour le patron, c'est une manière de transférer aux employés une partie des risques liés au business. En fait, cette fonction du pourboire est répandue dans toute l'économie. Les fonds de retraite des travailleuses de l'acier sont liés à la valeur de la boîte. Les travailleurs de l'automobile ont des actions dans l'entreprise pour laquelle ils travaillent, etc. Enfin, les pourboires renforcent la division du travail. Les pourboires circulent généralement de haut en bas. La cliente a un certain degré de pouvoir sur le serveur, puisqu'elle peut décider de donner un gros pourboire ou un petit pourboire. Ce n'est pas rare de voir un jeune cadre dynamique prendre un instant pour regarder l'addition, puis la serveuse, savourant ce moment de pouvoir. À la fin de la soirée, la serveuse redispatche une partie de ses pourboires à d'autres employés, comme les commis ou les hôtesses. Elle peut, elle aussi, reverser plus ou moins, dans une certaine limite. Le ruissellement des pourboires de haut en bas renforce la hiérarchie parmi les employés du restaurant. Cette dernière fonction du pourboire perd son importance dans les restaurants où les pourboires sont mis en commun. La plupart des personnes qui travaillent dans un restaurant détestent les clients. Nous pouvons nous raconter nos histoires et nous plaindre des clients pendant des heures. Dans la plupart des restaurants, ceux qui y travaillent ne pourraient pas s'offrir le repas qu'ils servent. Ce qui veut dire que nous servons souvent des personnes plus riches que nous, même si elles ne sont pas forcément des bâtards de bourgeois.
Les clients peuvent facilement être des personnes ayant des emplois tout aussi misérables et aliénants que le travail dans la restauration. L'origine de classe des clients est moins importante que leur position comme client dans le restaurant. Les clients sont les acheteurs. Ils pensent acheter de la bonne nourriture et un service de qualité. Ce qu'ils obtiennent le plus souvent, c'est l'apparence d'une bonne nourriture et d'un service de qualité. La nourriture de restaurant est rarement aussi fraîche ou saine que la nourriture faite à la maison. Les clients bruyants ou odieux se feront servir du décaféiné s'ils demandent un expresso. Nous dirons aux clients que nous n'avons plus ce qu'ils veulent si c'est trop compliqué à préparer. Nous recommanderons la nourriture la plus chère ou la plus facile à cuisiner. Les clients ont beaucoup de pouvoir sur les employés de restaurant, et pas seulement au niveau du pourboire. Une mauvaise remarque sur notre service peut entraîner une engueulade. Une plainte sérieuse au patron peut nous faire renvoyer. Leur pouvoir est tel que, parfois, les clients agissent comme des petits patrons. Ils peuvent être exigeants, méchants, complètement bourrés ou même violents. Mais nous devons toujours être gentils avec eux, et notre travail est de les satisfaire. Nous les détestons pour le pouvoir qu'ils ont sur nous. Ils font partie du système de surveillance du restaurant. Nous avons la même conversation prudente avec les clients, encore et encore. Nous apprenons vite à les deviner et à dire ce qu'ils veulent entendre. Les clients sont aussi une faiblesse du restaurant. Le restaurant dépend d'eux. Un client peut se plaindre à la gérante, mais il peut aussi se ranger de notre côté. Les clients ont un contact direct avec nous et imaginent habituellement que nous sommes bien traités et heureux. Nous pouvons parfois les utiliser pour faire pression sur la direction. Un piquet de grève devant un restaurant peut faire fuir les clients plus facilement qu'un piquet de grève sur un port qui voudrait empêcher les passagers de prendre le bateau. Le patron organise le restaurant pour faire le plus d'argent possible. Mais les travailleurs et travailleuses, qui sont indispensables au processus de production, lui sont hostiles. Donc pour que la production continue à un rythme soutenu, les employés doivent sans cesse être contraints, surveillés et mis en compétition les uns avec les autres. La direction est toujours en train de nous surveiller pour s'assurer que nous faisons notre boulot. Le patron et le gérant sont là pour nous dire de travailler plus dur et plus vite. Sinon, tu pourrais perdre ton emploi. Suivant la taille du restaurant, cette pression peut être aussi personnelle qu'un père autoritaire ou aussi impersonnelle qu'une police d'État. Ils sont persuadés, à raison d'ailleurs, que les employés les voleront si personne ne les surveille et font constamment l'inventaire de ce qui a de la valeur. Ils utilisent la vie des clients, des miroirs bien placés. Parfois même des caméras cachées et des espions pour nous garder sous surveillance. Nous sommes contrôlés, surveillés et sous la menace constante. Le restaurant est totalitaire. Mais aucun régime totalitaire ne peut fonctionner uniquement par la force. Le restaurant est structuré de manière à pousser les employés les uns contre les autres. En plus de la division salle-cuisine, il y a le haut et le bas de l'échelle. Les employés qui en font plus ou qui font un travail plus qualifié se sentent supérieurs aux autres, leur donnent des ordres et les traitent parfois comme des enfants. Les commis et les plongeurs en veulent aux employés qui font plus d'argent qu'eux et veulent grimper les échelons. Les gérants encouragent une atmosphère de compétition, tout particulièrement entre les serveurs. Nous comparons le montant de nos ventes à la fin de la soirée et nous essayons de vendre plus de tel ou tel vin ou entrée. Les soirs où il y a peu de clients, nous demandons à l'hôtesse de placer les clients dans nos rangs. Les soirs où il y a foule, nous voulons qu'elle place les clients à risque dans les rangs des autres serveuses. Les restaurants sont inconfortables. La température de la salle est parfaite pour des clients qui mangent assis, pas pour des serveuses. Et la cuisine est encore plus étouffante. Plus le temps passe et plus nous sommes recouverts de bouffe, de sueur et de gras.
Nous nous rentrons dedans sans arrêt et devons gueuler pour communiquer au-dessus du bruit assourdissant des assiettes qui bougent, de la musique répétitive et des discussions des clients. Cette atmosphère nous rend irritables, à bout de nerfs. Nous nous embrouillons pour un rien. Ces disputes servent à maintenir le rythme frénétique de la production, en plus de diviser les travailleurs entre eux. Nous ne pouvons pas gueuler sur le boss et nous ne pouvons pas gueuler contre les clients. Alors on se gueule dessus. À quelques exceptions près, les travailleurs d'un restaurant veulent une chose avant tout, ne plus travailler dans un restaurant. Cela ne veut pas dire que nous voulons être au chômage, cela veut dire que le travail dans la restauration est une façon aliénante et misérable de gagner sa vie. Nous sommes obligés d'être là. Le travail ne nous apparaît pas comme faisant partie de nos vies. Nous n'avons l'impression d'être nous-mêmes que lorsque nous ne sommes pas au travail. Le fait que les employés détestent leur travail est évident au point d'en être un cliché. Dans la plupart des restaurants, vous trouverez des gens qui ne sont pas vraiment des plongeurs ou des serveuses. Ce sont aussi, par exemple, des comédiennes, des musiciens ou des étudiants. Ces personnes ne travaillent dans un restaurant que le temps de se faire quelques économies et commencer leur propre affaire, ou bien jusqu'à ce qu'elles finissent leurs études et aient un vrai travail. Pour échapper à notre travail, nous pouvons toujours démissionner en espérant que les conditions seront meilleures dans un autre restaurant. Le turnover y est monnaie courante. Souvent, la majorité des employés n'y sont que depuis quelques mois. Malgré nos illusions, beaucoup d'entre nous ne font que continuer à bouger d'un restaurant à l'autre, d'un bistrot à un bar, à un lounge, à une cantine, à un café. Notre lutte contre le travail en restauration est bien plus fondamentale que nous ne l'imaginons. Presque tout le monde vole à son travail, même ceux qui ne sont pas communistes, même ceux qui votent pour les partis politiques défendant tous les droits sacrés de la propriété privée. Et même les travailleurs qui ont de la sympathie pour le patron et qui espèrent que le restaurant fera beaucoup d'argent, se débrouilleront pour alléger leurs tâches, ce qui entamera la marge de profit. Nous dirons aux clients que la machine à expresso est cassée pour ne pas avoir à faire un cappuccino. Nous jetterons une fourchette quasiment neuve au lieu de nous faire chier à relancer le lave-vaisselle. Notre hostilité envers les restaurants ne vient pas de nos idées politiques. Elle vient de notre position de travailleurs salariés de la restauration. Les restaurants nous rassemblent avec d'autres employés sur un même lieu de travail. Le processus de travail en soi exige que nous coopérions et communiquions avec d'autres employés. Nous nous passons des assiettes, nous transférons les commandes de nourriture et de boissons. Nous estimons ensemble quels clients doivent régler leurs additions afin de libérer leur table. Ces conversations mènent à d'autres plus intéressantes. On se raconte des blagues. Ces moments de rigolade mènent à une coopération plus sérieuse. Nous passons beaucoup de temps avec nos collègues et en apprenons beaucoup les uns sur les autres. Entre les rushs, on parle de nos problèmes au travail, dans notre vie personnelle ou de nos problèmes de papier. Nous ne formons plus une collection d'individus séparés. Nous formons des groupes informels de travail capables d'agir ensemble. Nous sortons prendre un verre après le boulot. Au travail, nous nous couvrons les uns les autres. Ce qui cimente ces groupes informels est la lutte contre le travail. Lorsque, alors que nous devrions travailler, nous plaisantons, disons du mal du patron, grugeons pour rendre le travail plus facile, piquons à plusieurs dans la réserve, nous créons des liens de confiance, de complicité et une culture de solidarité entre nous. Cette communauté de lutte entame les profits du patron, mais elle tend aussi à effacer les divisions et les hiérarchies créées par le processus de production. Il s'agit de la base indispensable à toute lutte plus significative contre la direction.
Le fait que ces regroupements de travailleurs et la culture qu'ils ont créée soient basés sur le processus de travail signifie que le patron peut miner ces groupes en changeant ce processus de travail. Il peut introduire un système informatique qui transmettra directement les commandes aux cuisines afin de diminuer les communications. Il peut changer les horaires afin de mettre certains employés sous contrôle et augmenter ainsi la surveillance. Il peut changer les tâches attribuées à certains employés, en leur donnant plus de responsabilités et ainsi y chercher leur sympathie. Il peut inciter les clients à donner leurs avis sur le service, offrir des repas aux employés comme récompense, rajouter des tâches d'inventaire ou bien virer des gens. En changeant le fonctionnement du restaurant, il peut changer les moyens de communication et de socialisation et freiner la résistance au travail. La nouvelle organisation forme alors la base pour de nouveaux regroupements et une nouvelle résistance. En général, plus consciente est devenue notre solidarité, plus elle est difficile à détruire. Le patron a le processus de production, l'argent. Il peut compter sur le poids des préjugés, de l'habitude, de l'isolement, de l'inertie des travailleurs. Et en dernier recours, il a pour lui la loi et la police. Nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Notre combat contre le travail est aussi une lutte contre la manière dont le travail est organisé, contre la division du travail et la hiérarchie. Au niveau le plus élémentaire, nous avons souvent de l'intérêt pour le travail des autres. Par exemple, dans les moments plus calmes, une serveuse va préparer de la nourriture simple en cuisine, tandis que le plongeur posera parfois des questions sur les différentes sortes de vins. Le processus de travail étant si morcelé et spécialisé, nous le vivons de manière étrange et irréelle, et nous voulons aller au-delà de ça. Avant de pouvoir nous regrouper, nous devons nous traiter en égaux. Cela contribue à détruire les divisions entre les travailleurs spécialisés et non spécialisés, ainsi que la hiérarchie entre les employés. Dans chaque restaurant, les travailleurs sont censés être capables d'organiser eux-mêmes le travail, dans une large mesure. Nous sommes capables de hiérarchiser les tâches, de communiquer et de nous coordonner avec les autres employés. Dans de plus petits restaurants, le patron va parfois même s'absenter et nous devons alors tout prendre en charge nous-mêmes. Cela veut dire que notre ressentiment envers le travail prend souvent une forme de critique sur la manière dont le restaurant est géré. Nous nous plaindrons que le propriétaire du restaurant n'a aucune classe d'acheter des ingrédients si bon marché ou de servir de la nourriture presque pourrie. Nous imaginons ce qui pourrait être différent si c'était nous qui gérions l'endroit. Nous développons nos propres idées sur la façon de cuisiner et servir la nourriture, sur le prix des repas, etc. Ceci est une source constante de conflits, mais qui est assez facilement récupérable. Souvent, le patron acquiescera simplement à notre désir de tout faire fonctionner nous-mêmes. Plus le restaurant est désorganisé et inefficace, plus cela se produit. Il laissera l'hôtesse s'occuper des clients problématiques. Il n'achètera pas assez de fournitures et ne réparera pas les machines. Nous devrons le faire nous-mêmes. Il laissera une cuisinière se démerder seule avec 10 commandes ou un serveur avec 10 tables à la fois en disant « Tu t'arranges !» Et nous devons nous mettre nous-mêmes la pression au lieu d'être mis directement sous pression par le patron. En fait, l'employé modèle aura intériorisé le rythme de production et sera capable de se mettre suffisamment la pression pour que la direction n'ait pas à le faire. Dans ces situations, nous essayons de nous entraider et de nous filer des coups de main les uns les autres. Notre solidarité avec nos collègues est utilisée contre nous et devient une façon de nous faire travailler encore plus. Quelques employés de restaurants ont créé une idéologie à partir de ces résistances au travail pour mettre en place une nouvelle forme d'organisation. Ils créent des restaurants sous forme de coopérative, où il n'y a pas de patron. Ils font le travail et prennent eux-mêmes les décisions de gestion. Dans ces restaurants, les travailleurs ne sont plus sous le pouvoir arbitraire d'un patron. Ils éliminent souvent les pires aspects de la division du travail et du service à la clientèle. Ils peuvent vendre de la bouffe végane, végétarienne, bio, équitable ou fournie par des agriculteurs locaux. En même temps, ils oublient que la division du travail est créée par la nécessité de faire plus d'argent, plus efficacement.
Le patron n'est pas un connard sans raison. Le patron est soumis à une forte pression qui vient de l'extérieur du restaurant. Il doit garder son argent en circulation, en faisant plus d'argent. Il doit être compétitif et faire du profit, sans quoi son affaire ne survivra pas. Les travailleurs de ces restaurants collectifs, comme dans les entreprises familiales, n'ont pas éliminé le patron. Ils ont simplement fusionné le rôle de patron et celui de travailleur. Peu importe leurs idéaux, le restaurant est toujours pris dans l'économie. Le restaurant ne peut continuer à exister qu'en faisant du profit. Le travail est toujours aussi stressant et répétitif. Seulement, maintenant, les employés sont eux-mêmes les gérants. Ils doivent s'imposer le travail à eux-mêmes et aux autres. Cela signifie que les employés de restaurants autogérés doivent souvent travailler plus longtemps et plus dur. Ils sont payés encore moins que ceux de restaurants classiques, sinon les restaurants autogérés ne feraient pas de profit et ne survivraient pas longtemps. Notre problème avec les restaurants est beaucoup plus profond que la manière dont ils sont gérés. Quand nos luttes contre les restaurants deviennent plus dures et que nous cherchons à être plus visibles, c'est là qu'arrivent les syndicats. Les travailleurs de la restauration ont toujours été majoritairement non syndiqués. Là où les syndicats ont existé, ils ont suivi le même chemin que les syndicats dans d'autres industries, mais avec moins de succès. Il y a une grande rotation du personnel dans les restaurants. Les gens n'y restent souvent que quelques mois. Les restaurants emploient beaucoup de jeunes qui ne recherchent qu'un emploi à temps partiel ou temporaire. Ces boulots ne sont pas attrayants et ceux qui les font recherchent toujours un meilleur travail. Cela rend la création de syndicats stables très difficile. C'est autant la conséquence de la désorganisation syndicale dans ce secteur que sa cause. Aussi, bien qu'il y ait des restaurants partout et qu'ils constituent une portion significative de l'activité économique, ils ne représentent pas un secteur décisif. Si un restaurant entre en grève, il ne créera pas d'effet de vague perturbant d'autres sphères de l'économie. Si les routiers entrent en grève, non seulement les affaires de la compagnie de transport en seront perturbées, mais aussi les épiceries, les centres commerciaux et toute autre boîte dépendant de ce que les camions transportent. Si un restaurant entre en grève, le premier effet est que les autres restaurants du secteur feront des meilleures affaires. Cela nous met dans une position de faiblesse et les patrons accordent moins facilement des augmentations de salaire qu'il est possible d'obtenir par la grève dans d'autres secteurs. D'abord, les travailleurs de la restauration ont lutté pour la journée de 10 heures, la semaine de 6 jours, et, aux États-Unis, pour mettre fin au Vampire System. Pour obtenir un emploi, les travailleurs devaient dépenser beaucoup d'argent dans le café ou payer un pot de vin au boss. Les luttes de ces travailleurs ont pris beaucoup de formes différentes. Il y avait les syndicats corporatistes, qui ne tentaient de syndiquer que les serveurs et les cuisiniers. Il y avait les syndicats de branche, qui concernaient toutes les personnes travaillant dans les restaurants et les hôtels. Quelques-uns, comme l'Industrial Worker of the World, refusaient même de signer des contrats avec l'employeur. Des actions étaient également menées par des travailleurs qui ne faisaient partie d'aucune organisation. Les employeurs ont d'abord combattu les syndicats, en employant des briseurs de grève, en engageant des malfrats et la police pour casser la gueule aux travailleurs en grève, craignant qu'une quelconque représentation des employés ne vienne couper dans leurs profits. À mesure que les syndicats se développèrent, les employeurs furent forcés de négocier avec eux. Les employeurs utilisèrent ceci à leur propre avantage. Aux États-Unis, se joindre à un syndicat est devenu un droit protégé dans plusieurs États. Les procédures de négociation ont été écrites dans la loi. Les représentants des travailleurs reconnus. Une importante quantité de gains a été obtenue. Les cotisations syndicales ont été prélevées directement sur la paie des travailleurs. Il s'agissait au départ de faciliter l'organisation de tous les travailleurs d'une même entreprise, mais cela a servi aussi à diminuer le contrôle que les travailleurs avaient sur le syndicat. Les syndicats développèrent une bureaucratie de permanents payés et de délégués. Être rémunérés par le syndicat leur permettait de négocier sans être harcelés ou virés par les patrons. Mais cela signifiait aussi qu'ils ne pouvaient être facilement contrôlés par les travailleurs. Les permanents syndicaux ne sont plus des travailleurs.
ils ont des intérêts différents, voire opposés à ceux des travailleurs. Les conventions collectives, qui furent difficilement gagnées, permettaient souvent d'obtenir des gains réels pour les employés. Les employeurs concédèrent de meilleurs salaires, plus de sécurité de l'emploi, de meilleures conditions de travail en échange de la garantie de ne pas faire grève. Les patrons acceptèrent de payer plus et de céder une partie de leur contrôle afin de maintenir une production ininterrompue. On a alors attribué aux syndicats le rôle de faire respecter ce deal par les travailleurs. Les syndicats devinrent les négociateurs institutionnalisés entre le patronat et les travailleurs. Ils luttent pour maintenir cette position. Ils organisent les travailleurs et nous encadrent dans la mobilisation. Ils ont besoin des cotisations et des conventions. Mais lorsque le mécontentement des travailleurs leur échappe, ils le répriment. Ils forment une bureaucratie qui veut se maintenir en place. Les travailleurs d'aujourd'hui veulent peut-être être dans des syndicats de la même façon que nous voudrions d'un bon avocat, mais nous ne voyons pas les syndicats comme étant des nôtres. Et nous sommes souvent sceptiques envers eux, comme nous le serions envers des politiciens ou des sectes gauchistes. Le phénomène syndical ne s'est pas manifesté qu'une fois dans l'histoire. Il s'agit d'une dynamique que nous pouvons voir dans les luttes encore et encore. Les temps passent et de nouvelles générations de travailleurs s'organisent en syndicats. Des groupes de base changent les syndicats de l'intérieur. Des nouveaux dirigeants syndicaux radicaux remplacent les vieilles branches. Mais lorsqu'ils sont placés dans les mêmes positions et sous les mêmes pressions, ils réagissent de la même manière. La bureaucratie est rajeunie. Parfois, la lutte pour réformer nos syndicats prend même la place de la lutte contre le patronat. Et pendant ce temps, la production continue d'engendrer des profits. Toutes ces choses arrivent aussi dans les syndicats de la restauration, mais la plupart du temps, les propriétaires de restaurants ont facilement réussi à écraser les tentatives de création de syndicats. Les syndicats sont construits par les travailleurs, mais ne sont pas les travailleurs. Les syndicats ne représentent les travailleurs qu'en tant qu'employés de l'intérieur du processus de travail. Ils peuvent bien déclencher la grève et même enfreindre la loi, mais il n'en demeure pas moins que leur point de départ et leur finalité est que nous soyons au travail. Ils peuvent à certains moments et à certains endroits nous aider à gagner de meilleurs salaires et à améliorer nos conditions, mais souvent ils s'opposent aussi à des luttes modérées. Et ultimement, ils sont au travers de notre route. Les syndicats de restaurants ont besoin qu'il y ait des restaurants, pas nous. Les conditions qui créent le travail et l'ennui intensif dans un restaurant sont les mêmes qui créent la loi et l'ordre, et le développement dans certains pays, la guerre, les famines et la pauvreté dans d'autres. La logique qui fait s'affronter les travailleurs entre eux, ou qui nous lie aux managers dans un restaurant, est la même que celle qui sous-tend les droits du citoyen et la déportation des clandestins. Le monde qui a besoin de démocrates, de dictatures, de terroristes et de police a aussi besoin de gastronomie fine, de fast-food, de serveuses et de cuisiniers. Les pressions que nous ressentons au quotidien sont les mêmes qui jaillissent lors des crises et désastres qui interrompent ce quotidien. Nous sentons le poids de l'argent du patron qui veut circuler et s'accroître. Un restaurant est mis sur pied par et pour le mouvement du capital. C'est par ce mouvement que nous sommes embarqués dans le processus de production qui fait de nous des travailleurs de la restauration. Mais c'est nous qui faisons et vendons la nourriture. Le mouvement de l'argent du patron n'est rien d'autre que notre activité est transformée en quelque chose qui nous contrôle. Afin de rendre la vie supportable, nous combattons ce processus, ainsi que les patrons qui en profitent. L'élan qui nous pousse au combat contre le travail et le patronat est immédiatement collectif.
lorsque nous luttons contre nos conditions de vie, nous voyons que d'autres font de même. Pour se rendre où que ce soit, il faut combattre côte à côte. Nous commençons à briser les divisions qui nous séparent et les préjugés. Les hiérarchies et les nationalismes commencent à en être sapés. À mesure que nous formons des liens de confiance et de solidarité, nous devenons plus audacieux et plus combatifs. Tout devient possible. Nous sommes de mieux en mieux organisés et de plus en plus confiants, énervés et forts. Les restaurants ne sont pas stratégiques. Ils ne font pas le noyau de la création de valeur dans l'économie capitaliste. Ils ne sont qu'un champ de bataille dans une lutte de classe mondiale dont nous faisons tous partie, qu'on le veuille ou non. Chaque fois que nous attaquons ce système sans le détruire, il change. Et en retour, il nous change ainsi que le terrain de la prochaine bataille. Ce que nous gagnons se retourne contre nous et nous nous retrouvons englués dans la même situation, au travail. Les patrons nous poussent à rechercher des solutions individuelles à nos problèmes ou des solutions dans le cadre d'un même lieu de travail ou d'un échange individuel. La seule façon de nous libérer est d'élargir et de renforcer notre lutte. Nous rejoignons des travailleurs d'autres lieux de travail, d'autres industries et d'autres régions. Nous devons nous attaquer à des choses de plus en plus fondamentales. Le désir de détruire les restaurants devient le désir de détruire les conditions qui créent les restaurants. Nous ne luttons pas juste pour être représentés ou pour contrôler davantage le processus de production. Notre lutte n'est pas contre le geste de couper des légumes, de laver la vaisselle, de verser de la bière, ni même de servir de la nourriture à d'autres personnes. Elle est contre la façon dont tous ces actes sont rassemblés dans un restaurant, séparés d'autres actes, pour être intégrés à l'économie et faire croître le capital. La société des capitalistes et des personnes obligées de travailler pour eux forment le point de départ et la finalité de ce processus. C'est à cela que nous voulons mettre fin. Nous voulons détruire le processus de production en tant qu'entité qui nous est extérieure et qui va à notre encontre. Nous nous battons pour un monde où notre activité productive satisfera des besoins et sera une expression de notre vie, sans qu'elle ne nous soit imposée en échange d'un salaire. Un monde où nous produirons directement les uns pour les autres et non pour vendre les uns aux autres. Les luttes des travailleurs de restaurants visent en fin de compte à créer un monde sans restaurants ni travailleurs. Ceci est la direction dans laquelle nous avançons tous les jours. Nous devons avancer de plus en plus, de mieux en mieux. Nous ne devons rien laisser nous barrer la route.